Bonjour à tous les internautes présents. Merci de nous retrouver sur Assurance TV. En direct, vous pouvez poser vos questions sur le hashtag Assurance TV. Nous allons uniquement aborder aujourd'hui la personnalisation de la relation client dans le secteur de l'assurance. Pratique, la personnalisation qui permet non seulement de satisfaire des clients exigeants, mais aussi de les fidéliser durablement et donc d'augmenter la performance relationnelle et économique. Nous avons le plaisir de recevoir en direct sur ce plateau Patrick Blanchard. Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pilotage de l'activité Sinis de Maïf, c'est bien ça ? Absolument. Alexandre Laverture, responsable des solutions d'engagement client de Pitney Bowes. Bonjour. Bonjour. Karine Lazimi-Chouraki, vous êtes courtier en assurance, vous êtes sur le terrain. Et Tanguy Pollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la division client et transformation digitale de Swiss Life. C'est exact. Alors, je vais vous poser l'éternelle question d'introduction à un débat, un échange. Beaucoup s'accordent à dire que la personnalisation de la relation client est une composante majeure de la tradition commerçante ou de la tradition commerciale, on l'appelle comme on veut, quel que soit le secteur d'ailleurs. Ma première question est très directe et très générale. Dans le secteur de l'assurance, où est-ce qu'on en est en termes de personnalisation de la relation client ? Est-ce qu'il y a encore un fossé entre les attentes clients et la réalité ? Tanguy, vous vous lancez ? Oui, volontiers. Alors, si on parle de tradition commerciale, je pense que l'assurance cède à cette tradition et plutôt bien dans le démarrage de la relation avec un client. Je pense qu'on est plutôt bon parce que aussi plutôt bien entouré avec des réseaux de distribution, des conseillers pour pouvoir recueillir les attentes des besoins des clients, pour pouvoir les analyser et proposer la meilleure solution. D'ailleurs, on le constate dans toutes les études qu'on fait de satisfaction client, le Net Promoter Score après la souscription d'un contrat est très très élevée, fait partie des plus élevées, je pense, qui peuvent exister sur le marché. Et puis après, c'est là que tout change. Et c'est tout l'enjeu de la personnalisation, c'est la personnalisation de la relation client dans la durée. Patrick, votre point de vue sur vous qui êtes spécialisé sur la partie qu'évoquait Tanguy tout à l'heure, sur la partie de la gestion sinistre d'une certaine façon. Oui, la personnalisation. Il y a un fossé entre les attentes et la réalité. Il y a des écarts entre les attentes des sociétaires et la réalité, absolument. Ces écarts, je pense qu'ils se réduisent chez tout le monde. On est tous en train de travailler dessus, c'est au cœur de notre stratégie de relation, donc ils se réduisent. Je crains qu'il y ait des attentes de sociétaires, ce sont nos clients, auxquelles nous ne répondrons pas, ou imparfaitement. Par exemple, la personnification, ce souhait du sociétaire d'avoir un interlocuteur attitré, unique pendant toute la durée du dossier, ça sera très difficile de le proposer à tout le monde, tout le temps, hein, tous les sociétaires et surtout tous les dossiers. Je pense qu'on est tous d'accord sur les enjeux autour de la personnalisation. Je crois que nous allons choisir des moyens d'y répondre de façon différente, en ligne avec des convictions différentes, en ligne avec une singularité qui nous est propre. Nous, à la Maïf, nous avons choisi comme voie la confiance, a priori, donc faire confiance envers nos sociétaires et confiance envers nos gestionnaires. Karine Lazimi-Chouraki, vous êtes sur le terrain, vous les voyez tous les jours, les clients ? Je les vois tous les jours. Alors, où est-ce qu'on en est en termes de personnalisation de la relation client ? Eh bien, en fait, on est coach. Un conseiller, un intermédiaire, aujourd'hui, il est coach. Il accompagne son client au quotidien. Et la relation client, on la vit, que ce soit avant, pendant la vie du contrat. Après, je dirais la vente même, hein, une fois, puisqu'on parle de vente, dans le funnel de vente, on parle de solutions d'assurance, donc on fait des propositions, et jusqu'à l'extinction du contrat, puisque quand un client a envie de partir, le meilleur moyen de garder une bonne relation avec son client, parce qu'il le reste encore pendant un moment, quelque part, eh ben, c'est de le laisser partir. Et on va le voir tout à l'heure, sur l'ensemble du processus, du parcours, c'est là qu'il y a des moments clés et des tierces personnes qui interviennent. Assez souvent, on parle de l'assureur, du client, de l'intermédiaire. Tout se passe bien. Et puis à un moment, il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte, comme au moment d'un sinistre, avec des experts. Et alors là, le client est perdu, en fait, parce que lui, il dit « Allô, Karine ? Que se passe-t-il ? Je comprends pas. » Il y a une rupture dans la chaîne. Il y a une rupture, on va en parler sur cette partie-là. Alexandre, vous êtes le spécialiste de la technologie, en tout cas sur ce plateau. C'est quoi votre point de vue entre les attentes clients et la réalité du terrain ?
Je pense que déjà, ça a beaucoup progressé. Nous, on a pu le voir depuis ces 4-5 dernières années. On a accompagné d'ailleurs de nombreux clients sur des projets de personnalisation pour leurs clients comme pour l'interne, parce que c'était important bien suivre les personnes qui sont en relation avec les clients. C'est un moyen d'aider le client final. Et ce n'était pas toujours fait au niveau qui était attendu. Après, quand on pose la question à des clients finaux, il y en a encore quelques-uns qui trouvent que la personnalisation pourra aller plus loin, que quand ils ont plusieurs contrats d'assurance, ce serait bien que même les outils, pas juste les personnes, mais les outils le sachent. C'est pas le cas ? Ils s'en souviennent. Pas toujours. Pas toujours. D'accord. On va y revenir. Karine, je rebondis sur ce que disait Alexandre. Les clients, ils ont envie d'être connus. Au quotidien, ils ont envie qu'on sache tout sur, pas tout sur eux, mais en termes d'assurance en tout cas, est-ce qu'ils ont envie qu'on connaisse tout de leur contrat ? Alors on va déjà parler de personnalisation, ça commence par le téléphone. Moi quand je réponds au téléphone, je dis bonjour monsieur Dupont, et en fait il est reconnu. Moi il n'y a pas un client à moi qui ne soit pas dans mon téléphone. Donc la personnalisation c'est tout bête, mais elle commence déjà par ça. Moi, quand j'appelle mon banquier, certaines banques aujourd'hui, et pourtant, il est partisan de l'assurance. Hein, moi, je suis un artisan de l'assurance, un courtier de proximité. N'empêche que je suis reconnue. La banque, il me dit bonjour. Donc, madame, la reconnaissance est un élément clé pour déjà, le client final. C'est déjà l'entrée. Qu'il soit sociétaire, exactement, assuré, adhérent. Et donc, du coup, quand on appelle et que le client m'appelle, moi, je suis déjà dans une posture. C'est monsieur Intel, je sais ce qu'il va me demander. Quasi. En général, comme je suis en lien avec mes clients, j'attends pas 2 ans pour les rappeler. J'ai des points de contact réguliers. Assez souvent, si c'est pas pour un nouveau produit, je sais ce qu'il va me demander. Donc ça, c'est hyper important. Et même d'anticiper, quelque part, sa demande. Sa demande. Patrick Blanchard, la personnalisation de la relation client, c'est une attente du sociétaire, de vos sociétaires ? Oui, c'est une attente qui est de plus en plus forte, de plus en plus pressante. Nous sommes une mutuelle. On avait établi dans nos règles de base à l'origine l'égalité dans les traitements. Mais c'était vraiment une valeur forte inscrite. Et depuis quelques années, nous l'avons fait virer vers l'équité, c'est-à-dire un traitement l'équité. Juste, d'accord. Un traitement juste, mais différencié, mais qui prend en compte l'individu derrière le sociétaire. C'est quelque chose qui effectivement marque pour nous, de façon un peu symbolique, cette évolution, cette réponse aux attentes. Si je suis de façon plus concrète, quand je parle de la partie souscription, par exemple, on a mis en place le conseiller affinitaire. Conseiller affinitaire, c'est par exemple le motard par le motard. Donc, un prospect qui est motard va être mis en contact avec un conseiller qui est motard de façon à ce qu'il parle le même langage. Parce qu'il y a, dans la logique si de personnalisation... Si on n'est pas motard, on ne peut pas se parler ? Bien sûr qu'on peut se parler, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. et on va beaucoup plus rapidement dans la compréhension fine des besoins, par exemple. Donc ça c'est un exemple. Évidemment que sur la partie gestion de sinistre, il y a des attentes très fortes au niveau de la personnalisation. D'abord parce que chacun vit le sinistre de façon très personnelle. On ne vivra pas, chacun d'entre nous, le vol d'un bien chez soi de la même façon. Et on n'aura pas le même impact émotionnel autour de ceci. Et le sociétaire nous demande, prenez en compte cet impact émotionnel. Ça va jusque-là, la personnalisation. Ça va jusque-là, la personnalisation, absolument. Et après, il y a la solution qu'on lui propose. La solution doit prendre en compte son intensité émotionnelle et aussi le type d'attente, les besoins réels exprimés par le sociétaire et répondre à ses besoins. C'est ça, aujourd'hui, notre souhait d'accompagnement de personnalisation. Donc on voit que la grande tendance sur ce plateau, quand même, sur la personnalisation, c'est la relation après la souscription. C'est le point que vous avez en commun. Est-ce qu'il est indispensable ou possible de maintenir, Tanguy, comme vous me le disiez en préparant cette émission, une relation personnalisée maintenue, une relation personnalisée plus constante avec son client au-delà des deux épisodes, souscription, sinistre ? Je pense que c'est absolument tout l'enjeu, et certainement l'enjeu du secteur financier et du secteur assurantiel en particulier. L'assureur-voleur, c'est quand même ce qui aujourd'hui reste encore le premier réflexe quand on parle d'un assureur à un client ou à quelqu'un dans la rue. Donc l'assureur-voleur, c'est tout simplement celui qui, à un moment donné, juge que l'assureur, au moment où on l'attendait, c'est-à-dire généralement au moment du sinistre, n'était pas là avec la promesse qui avait été retenue par le client lorsqu'il avait souscrit son contrat 5, 10
10 ou 15 quelques ans plus auparavant. Donc, on peut mettre l'assureur en cause dans cette inadéquation entre le sinistre et le moment de la souscription. On peut mettre parfois aussi le conseiller en cause. On peut surtout mettre tout le monde en cause dans la difficulté intrinsèque qu'on a d'avoir une relation avec les clients qui est continue et surtout qui permet de capter ses nouveaux besoins, l'évolution de sa relation. Les conseillers sont là pour ça, mais objectivement, les conseillers ne disposent pas non plus de la capacité totale à s'assurer à tout moment que pour chacun de leurs clients, les besoins soient bien pris en considération et ensuite retraduits dans une modification potentielle du contrat, une augmentation des garanties pour que, au moment du sinistre, l'expérience soit une expérience évidemment bonne, personnalisée, affinitaire, tout ce qu'on peut imaginer, mais surtout qui répond aux attentes sonnantes et trébuchantes du client dans la capacité de lui reconstituer quelque chose. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que sur les métiers du sinistre, du dommage, de la santé, c'est une chose. Sur les métiers de l'assurance vie, du patrimoine, par exemple, c'en est une autre. Là, on a la réglementation qui a considérablement accru la contrainte, cette fois, sur les institutions financières, de connaître son client, de mesurer en permanence que le conseil qui a été prodigué est toujours le bon pour le client, et donc de capter des moments d'information client de plus en plus fréquents. Et là, objectivement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de clients sont en résistance par rapport à ça. Quand on leur demande au moins une fois par an c'est quoi leur patrimoine, comment il est constitué, d'où vient leur richesse, la traçabilité des fonds, là, on a objectivement une résistance. Alors, plus d'intrusion peut-être Bien sûr. Alors pourtant que ces lois-là ont un objectif consumériste à la base, protéger le consommateur. Donc, on voit bien qu'on est dans un moment quand même de difficulté où on doit, pour certains cas, capter de l'information de façon obligatoire. Pour d'autres, il vaudrait mieux le faire pour pouvoir être bien perçu par nos clients. Et on a une période, je pense, assez longue encore, en nombre d'années, pour vraiment arriver à embarquer tout le monde dans la chaîne de valeur, convaincre les clients, que les conseillers trouvent leur juste rôle aussi dans cette relation-là. Comment j'ai de l'information, comment je la communique à l'assureur, qu'est-ce que je garde pour moi, qu'est-ce qui a des fins commerciales. Donc cet enjeu de la data est absolument critique, on en parlera certainement après, mais on a aujourd'hui des outils pour nous aider. Alors, tandis que je vais reprendre votre expression, si vous le permettez, de cette relation maintenue. La relation maintenue, elle est du côté du courtier qui est en permanence en relation avec son client. Mais je vais m'adresser, avant de revenir vers vous, Karine, je vais m'adresser à Alexandre. Est-ce que la technologie peut aider à avoir à maintenir cette relation au-delà des deux points que l'on vient d'évoquer, la souscription et le sinistre? Bien sûr, la technologie va pouvoir aider déjà parce qu'aujourd'hui, la plupart des informations qu'on a sur les clients sont ces datas. Elles sont stockées quelque part. L'une des plus grosses problématiques, souvent, c'était que c'était pas un quelque part, mais plein, et qu'il fallait essayer d'avoir une vision unique de ce client pour quand on lui parle, que ce soit au travers du conseiller, au travers d'outils ou de personnes. Nous, ce qu'on a constaté aussi et qu'on a fortement initié depuis trois ans et demi, c'est l'intégration de l'interactivité. Parce que comme vous le disiez si justement, les datas, on a celles qui nous ont été fournies à un moment T. Et si on veut vraiment pouvoir personnaliser une relation avec un client, il faut lui donner la possibilité lui-même de pouvoir interagir au travers des différents médias qu'on va lui mettre à disposition pour faire en sorte que sa personnalisation s'adapte pendant qu'il est en train de regarder ou de jouer, pourquoi pas, avec un outil qu'on lui aura fourni. Donc la personnalisation, c'est ça aussi, c'est être capable de prendre en compte le temps réel. Et un grand critère qu'aujourd'hui, maintenant, ils ont tous, c'est ils veulent de l'instantanéité. Il faut être disponible quand ils le veulent, pas quand on l'est. Parfait. Je vais revenir avec vous, Patrick, sur la relation et le rôle du gestionnaire dans cette personnalisation de la relation client. Mais j'aimerais faire rebondir d'abord Karine Azimi-Chouraki sur cette relation sinistre qui semble un peu compliquée, d'autant plus que vous, avant d'être courtière, vous aviez d'éminentes fonctions au sein du groupe Allianz, je crois que tout le monde le sait. Est-ce que la personnalisation de la relation sinistre, en toute transparence, on est entre nous, est-ce qu'elle a vraiment évolué aujourd'hui? Je vais être très cash. Pas tant que ça, en fait. Je vais être cash parce que je me permets de le dire, parce qu'en plus, je ne suis pas une mamie du web, mais pour avoir monté mon premier site internet en 1994, certains me disent que je suis une senior du digital. C'est pas grave, je l'assume parfaitement. Mon constat, c'est qu'en fait, c'est pas simple pour le client. C'est très, très compliqué. C'est déjà pas simple de souscrire un contrat parce que le client me dit écoutez, Karine, je ne sais plus trop ce que j'ai dans mon contrat. Et il se rend compte exactement comment est-ce qu'il est assuré au moment du sinistre. Et alors, le plus souvent,
Quand un client arrive, moi c'est au moment, c'est pendant un moment clé où il n'a pas été content parce que sa relation avec son intermédiaire, sa relation précédente n'était pas correcte, qu'il arrive et il me dit j'espère que cette fois-ci avec vous ça va mieux se passer. Et là vous avez la pression. Parce qu'en fait nous on est en front, on est partenaire des assureurs, on est partenaire des experts, sauf que le client, lui, il comprend pas tous ces intermédiaires. Il dit non mais moi, il y a trop. J'ai tapé deux, tout ça c'est pas pour moi Karine. Et pourtant j'outsource moi, je délègue la gestion du sinistre. Au contraire c'est un vrai bonheur d'avoir la gestion du sinistre, je dirais chez l'assureur. La seule chose, c'est que vous êtes obligé d'appeler pour le client l'assureur. Donc on refait une étape parce que le client n'a pas du tout. Il a appelé trois fois dans la journée. Il a envie de passer. Vous m'avez dit en préparant cette émission clairement, parfois mes clients sont appelés trois fois par des personnes différentes, oui, sur le même sinistre. Et puis moi, je pense qu'il faudrait qu'on se tape sur le modèle sans citer de marque, comme les médecins, où on a un petit SMS, votre client vient de recevoir. Parce que le problème du mail, c'est que parfois on n'a pas le mail. Moi, je reçois le recommandé, je reçois le mail peut-être quand il y en a un, des cabinets d'experts. Parfois une semaine après, donc non, un SMS. Bon, on va pas faire procès des cabinets d'experts, on va pas se fâcher. Non, on va pas se fâcher parce qu'ils sont super aussi. C'est en évolution. c'est en évolution. Et je pense, voilà, moi je lance un petit appel à la FFA peut-être, mais avec les cabinets d'experts, il faudrait une charte identique chez les mêmes assureurs. Et ben on va faire un plateau prochainement sur ce sujet et on invitera la Fédération française de l'assurance, Patrick Blanchard. La personnalisation, c'est aussi le gestionnaire qui a son rôle. On a parlé du rôle de la technologie. Le gestionnaire, au quotidien, il a un rôle dans cette personnalisation de la relation. Pour moi, c'est un rôle clé. Il est au cœur de cette personnalisation. Je vais juste raconter un sinistre arrivé chez nous. Donc une de nos sociétaires, 90 ans, incendie dans sa maison causé par la chaudière, partiellement détruite. Donc on lui propose un rôle logement. Non, pas question, je ne veux pas. Si je pars de cette maison, je ne reviendrai pas. Donc elle veut rester. Donc évidemment, on répond à sa demande. C'est l'hiver, il commence à faire de plus en plus froid. Le gestionnaire téléphone, commande des radiateurs électriques. Un militant vient, installe des radiateurs électriques dans la maison. Par cet exemple, je vais illustrer en quoi le gestionnaire est clé dans la relation. Le gestionnaire, il va comprendre le besoin, et mieux que ne pourrait faire une segmentation, le réel besoin du sociétaire, et apporter une réponse qui n'est pas du tout une réponse contractuelle. On n'a jamais indiqué à nul endroit qu'il fallait acheter des radiateurs électriques en K2. Hein, c'est le gestionnaire qui, par son intelligence de situation, prend l'initiative, a compris le besoin et trouve la solution. Et c'est une solution qui, évidemment, s'inscrit complètement dans nos coûts techniques, vous vous en doutez. Donc, c'est ça que l'on cherche à faire. Et pour que ça soit possible, il faut qu'on mette le gestionnaire dans un environnement qui commence par le management par la confiance, hein, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, un environnement dans lequel on lui laisse, en toute autonomie, décider, parce que c'est lui qui est le mieux placé pour le faire. Donc, ça veut dire qu'à situation identique, deux gestionnaires peuvent avoir des modes de résolution du problème différents ? Absolument, c'est en fonction de leur compréhension. C'est un cas hypothétique, hein, parce qu'effectivement, les situations ne sont pas. Mais nous attendons d'eux, nous pensons, nous avons absolument confiance dans leur capacité. Et ils sont environnés, hein, ils ont un environnement, ils ont des managers, une équipe managériale, ils ont des outils qui sont à leur disposition pour qu'ils puissent pleinement et sereinement jouer ce rôle en autonomie et de responsabilité. Donc c'est clé, le gestionnaire est au cœur de cette logique de responsabilisation. Et vous entendez que j'utilise le terme d'individu, c'est peut-être d'individualisation encore plus. D'accord. Donc on va parler des coûts, parce qu'il y a quand même une logique de peut-être, vous allez nous le dire ou pas, de ROI, de retour sur investissement, de la personnalisation de la personnalisation de la relation client. C'est parfois difficile de la matérialiser, cet investissement technologique ou cet investissement en termes de ressources humaines que vous évoquez, Patrick. Au-delà peut-être des taux de satisfaction qui peuvent s'améliorer si on a une vraie personnalisation digitale ou haute de la relation client, est-ce qu'on peut vraiment parler de ROI, de retour sur investissement, des engagements financiers et humains de la personnalisation, Tanguy ? Oui, oui, absolument. Qu'il faut en parler ? Alors, il faut absolument en parler. D'abord, parce qu'on ne conduit pas une entreprise sans avoir une approche ROI dans toutes les activités qu'on mène. Mais surtout parce que, à un moment donné, le ROI, c'est le juge de paix. Et le ROI permettra de considérer si ça apporte vraiment de la valeur. Et cette valeur, elle se traduit économiquement, finalement, dans l'entreprise. Donc, il y a évidemment des coûts. Ces coûts, d'abord, c'est de créer
un cadre qui permet de capter des moments de personnalisation. Je pense que le premier moment de personnalisation en fréquence, c'est le portail qu'on met à disposition des clients pour pouvoir leur donner à la fois toute une série d'informations, mais aussi créer de l'interaction. La grande différence entre l'assureur et le banquier, en tout cas par le passé, le banquier, il a une fréquence d'utilisation très importante, l'assureur beaucoup moins. Donc, si on veut que l'expérience client soit personnalisée tout au long de sa vie, il faut qu'on ait des moments d'échange de data les plus réguliers possibles. Les portails clients le permettent, et donc là on a un premier coût de digitalisation, mais ce coût de digitalisation crée de la fréquence, et la fréquence crée de la richesse, parce que ça crée des moments où on peut soit donner de l'information aux conseillers, soit prendre de l'information pour les propres gestionnaires, soit pour les équipes marketing, afin de pouvoir calibrer au mieux les besoins des clients. Deuxièmement, toutes les expériences de personnalisation qu'on peut mettre en place, elles se traduisent et elles sont mesurées aujourd'hui à travers le Net Promoter Score dans beaucoup d'entreprises. Et un Net Promoter Score qui augmente, nécessairement, ça crée de la valeur. Ça crée de la valeur, il faut simplement modéliser exactement comment. Mais ce que nous avons pu faire dans les différentes tentatives et tests que nous avons menés sur des épisodes de personnalisation à des moments inédits de la relation client par le passé, c'est une augmentation très forte du NPS, donc une diminution de l'attrition de ces clients-là, et qui dit diminution de l'attrition, quand on mesure l'embedded value d'une compagnie d'assurance, ben clairement, ça veut dire de la valeur cumulée pour le futur. Donc il faut arriver à modéliser ça pour qu'aujourd'hui, il n'y ait pas seulement une valeur à un contrat, mais qu'il y ait une valeur à un client, et qu'on change les modèles de reporting des compagnies d'assurance afin que la valeur client, qui est un étalon de beaucoup de sociétés technologiques des nouveaux marchés actuels, devienne également un étalon de la mesure de la valeur d'une entreprise d'assurance et en tout cas du succès de ses activités en termes de personnalisation. Alexandre, vous travaillez avec un certain nombre d'assurés. Je crois que vous avez des cas d'usage concrets dont on ne va pas pouvoir parler sur ce plateau. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'indicateur de rentabilité de la personnalisation digitale, par exemple ? Je peux vous donner les indicateurs. Après, c'est vrai que sans le cas d'usage, ce sera plus compliqué. Mais typiquement, 84% ont dit mieux comprendre leur police d'assurance. Là, on était sur de l'explication de documents grâce à de la vidéo interactive personnalisée où la personne pouvait poser des questions. Et grâce à ce même Welcome Pack, qui a été réutilisé d'ailleurs pas qu'en Welcome, mais aussi au fur et à mesure de l'avis du contrat, à tout moment, quand le client, même s'il il l'avait signé 10 ans plus tôt, son contrat, on a la possibilité de lui restituer son contrat dans un format agréable à regarder et pas comme les conditions d'Apple, quoi, par exemple. D'accord. Voilà. Mais sur ces mêmes choses, 12% de rétention des clients, on en parlait, sur les renouvellements, ce qui est super important. 74% qui estiment que l'assureur se soucie d'eux, que la compagnie se soucie d'eux. Je pense que voilà, ça dit tout. Je terminerai juste peut-être par un élément qui n'est pas un chiffre, mais le plus beau commentaire, je crois qu'on a eu sur le tout premier projet qu'on a fait d'ailleurs de ce type explication de contrat, c'était aux États-Unis. Et on avait reçu un commentaire d'un assuré qui disait « Je vous remercie ». C'était pas pour nous, c'était pour l'assureur. Hein. Mais « Je vous remercie, j'ai 72 ans et je crois que c'est la première fois que je comprends à quoi me sert mon assurance ». Bon, c'est un beau compliment, mais et c'est même somme toute assez basique quand même de comprendre, non ? Ça devrait l'être dans 100% des cas, non ? C'est le monde idéal à laquelle on aspire peut-être tous. Patrick Blanchard, ça coûte cher la personnalisation pour un assureur ? Au-delà des éléments qui ont déjà été mentionnés, notre richesse, nous, c'est le temps du gestionnaire. Donc, ce que l'on fait en termes de personnalisation, ça l'augmente. Ça prend du temps. Donc, on doit s'attacher à regarder la valeur ROI, et je m'attache complètement à ce que vous disiez tout à l'heure sur est-ce que ça permet d'améliorer la rétention. Donc, là, on a fait des études et on a démontré qu'effectivement, la gestion de sinistre à la Maïf, elle fidélise. Un sociétaire qui n'a pas eu de sinistre dans l'année est plus fidèle qu'un sociétaire qui n'en a pas eu. Donc, ça vaut quand même le coup qu'on regarde ça avec un peu d'attention. Donc ça, c'est un élément de ROI. Et le deuxième, il faut qu'on libère du temps du gestionnaire pour qu'il puisse se consacrer plus de temps à la relation. Donc il faut qu'on automatise. Il y a un coût humain évident et il faut qu'on le contrebalance. Il faut qu'on trouve les moyens de réduire des tâches à moindre valeur ajoutée. Le self-care, bien sûr, on en parle, l'automatisation, la simplification. Il faut qu'on contrebalance ces coûts, absolument. D'accord. Donc nous approchons de la fin de cet échange riche, bien sûr. C'est qui s'est un peu focalisé sur la relation, la personnalisation de la relation client post-souscription. Nous avons d'ailleurs le sentiment que le démarrage de la relation client se passe souvent bien, hein, mais qu'après ça se complique un peu. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Karine. Je vais vous demander pour conclure à chacun qu'il nous donne peut-être la clé ou une des clés de la réussite d'une relation vraiment personnalisée, fluide et peut-être apaisée
entre l'assureur avec un grand A, qui comprend toutes les familles du secteur, bien sûr, et les assurés. Karine, c'est quoi la clé de la relation, de la personnalisation d'une relation apaisée, fluide et efficace ? D'être disponible, d'être à l'écoute de son client. Mais donc pour cela, c'est comment je peux faire à la machine, libérer du temps, comment je peux faire à la machine ce que moi, en tant que courtier, j'ai pas envie de faire. Middle, back office, gestion, compta. C'est là où la technologie va nous aider. C'est là où la technologie, bien entendu, va nous aider et doit nous aider à tous. Et moi, je crois fondamentalement qu'on attire les clients qui nous ressemblent. Donc, nous, en tant que courtier, le client nous appelle, c'est surtout parce qu'on a envie de lui répondre. Enfin, je veux dire, on ne fait pas ce métier sinon. Hein. Je veux dire, on ne devient pas donc courtier si on n'aime pas l'humain. Voilà. La recette, disponibilité. Disponibilité, simplicité et authenticité. Voilà. J'ai une newsletter qui part chaque semaine. Au début, on m'a dit, mais t'es une grande folle. Une newsletter toutes les semaines, mais tu vas les tuer tes clients, ils s'en foutent, ils ne se réveillent pas en pensant à l'assurance. Mais justement, quand vous avez un client qui vous répond à votre newsletter au lieu de vous envoyer un mail directement, je me dis waouh, allez lire ma newsletter finalement. Je rentre dans sa vie chaque semaine. Et bien. On dirait qu'on s'est vu le mois dernier. Mais non, on ne s'est pas vu depuis 6 mois, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis contente que vous pensiez à moi. Donc la technologie vous aide. Tanguy, c'est quoi la recette ? Je pense que la recette de la personnalisation aujourd'hui et demain, c'est vraiment la data. Donc c'est comment faire pour pouvoir créer une capacité d'augmenter notre puissance en termes de collecte, d'échange et de traitement de la data. Ça fait tout de suite penser aux gros acteurs de la data qui généralement plutôt inspirent de la méfiance. Donc on voit bien que ça ne fonctionnera que si on inscrit ça dans une recherche de sens pour le client. De raison d'être peut-être aussi. Et donc de raison d'être. Je pense qu'il faut là avoir une vraie cohérence entre l'intérêt du client, l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt de la société embrassée par l'entreprise. De là à devenir une entreprise à mission, c'est une étape que certaines entreprises vont franchir. Nous avons déjà franchi l'étape de vouloir avoir une raison d'être, qui est de permettre à nos clients de vivre selon leurs propres choix. Et permettre, c'est votre raison d'être. C'est notre raison d'être. Pour permettre à nos clients de vivre selon leurs propres choix, notre premier rôle, c'est de leur permettre de faire des choix. Et faire des choix, c'est de leur donner accès à de l'information, accès à de la data, et donc accès à qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui, demain, après-demain, et pendant toute la durée du moment où j'ai besoin d'un assureur pour que ma vie puisse être libérée, entre guillemets, de toutes les contraintes et tous les risques que j'aurais si je n'étais pas bien assuré. Patrick Blanchard, c'est quoi pour vous la recette de la relation apaisée et efficace ? Voilà, je souscris à ce que vous venez de dire, et je mettrai tout ceci au service du gestionnaire. C'est-à-dire pour que ce soit le gestionnaire qui lui-même soit responsabilisé sur la qualité de la relation avec le sociétaire. C'est un tour de contrôle, de la relation personnalisée. Pour moi, c'est le pilote de dossier et il est au cœur de la relation. Par rapport à ce que vous disiez sur les différents intervenants, il ne doit jamais être dépossédé, intermédié de la relation avec le sociétaire. Donc c'est vraiment donner le moyen au gestionnaire d'être pilote de dossier. Donc c'est la vigie, C'est la vigie, c'est le chef d'orchestre, c'est... D'accord. Et il est au cœur de la relation. Et tout ce que l'on est, il faut que l'entreprise, enfin, ensemble, en fait, soit au service de cette mission, de cette mission du gestionnaire. Alexandre, c'est quoi la clé ou les clés de la réussite d'une personnalisation de la relation client apaisée, fluide ? Bien comprendre qu'aujourd'hui, les clients, ils ont changé. Tous les outils qu'ils ont au jour le jour à disposition font qu'ils sont devenus exigeants, qu'ils veulent des choses tout de suite. Comme je le disais, quand ils le veulent, pas quand vous le voulez. Donc peut-être essayer d'utiliser les outils qui sont à disposition de façon à leur donner cette possibilité, mais sans oublier qu'à un moment ou un autre, il faudra leur permettre que l'humain reviennent dans la boucle, au travers en tout cas des conseillers, des agents, bien entendu. L'idée, c'est pas de remplacer du tout cette relation, mais de la faciliter et limite de traiter les problématiques à faible valeur ajoutée. Tout simplement. C'est ce que vous aviez évoqué, Karine. Oui, tout à fait. Et je pense que l'enjeu majeur, d'ailleurs, on en parle souvent entre courtiers, hein, c'est de changer, c'est d'augmenter cette attractivité de l'assurance. Enfin, je veux dire, on a un des métiers les plus beaux au monde. Enfin, que ferions-nous sans assurance ? Non, mais sincèrement. Malheureusement, l'image de. Mais on y travaille et je pense qu'à nous tous, à nous tous, c'est comme ça qu'on va y arriver. Écoutez, moi, je vous donne rendez-vous dans un an, comme dirait l'autre. Nous verrons si vous en êtes d'accord ensemble, si la personnalisation de la relation client a franchi certains caps. Le rôle du gestionnaire, le rôle de la technologie, la raison d'être de l'entreprise et les outils de pilotage de ROI et la relation permanente du terrain et sa valeur ajoutée. Merci d'avoir participé à ce plateau. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci.